C'est un cheval qui a voyagé à l'âge de 2 ans, qui a traversé l'Atlantique pour aller courir les Breeders. Je pense que ça fait partie de l'éducation d'un cheval. Du moins, c'est un cheval qui l'a très bien pris, qui a un mental d'acier. Il l'a montré depuis son plus jeune âge, tout simplement. Et là, on le voit, effectivement, il est d'un calme. Des champions, je dirais. Voilà, c'est un cheval qui est imperturbable, qui a beaucoup d'énergie, mais qui sait la canaliser pour pouvoir la donner au bon moment. C'était le plan qu'il fasse une saison pleine à 4 ans. L'objectif de cet hiver, c'est la Saoudie. Que ce soit mon père ou Monsieur Pariente, c'est des personnes qui adorent les défis, qui les relèvent et qui les assument. On a parlé de la Saoudie au moment de la Breeders, en faisant le choix de ne pas aller à Hong Kong. Le dernier galop du cheval a eu lieu hier, jeudi, sur l'hippodrome, sur la piste en sable fibré. Un galop qui a donné entière satisfaction. Le cheval est très facile et très démonstratif. Voilà, on est assez content de ça. Il a hyper bien récupéré, tout mangé le soir. Donc voilà, aujourd'hui, récupéré. Il a fait un galop de chasse et un trotting. Tous les feux sont au vert. Ça va être un essai sur le dirt, qui est un dirt un peu particulier où les Européens semblent très bien s'adapter. Donc on est assez confiants. Monsieur Graffard est très content de la préparation du cheval. Alors on y va avec des ambitions.